En fait, deux points qui concernent, suite à des commentaires au sujet de l'environnement, la question de la politique de l'arbre. Je sais qu'on n'a pas autorisé au budget l'étape de caractérisation ou d'identification de l'essence de nos arbres avant de procéder à une politique de l'arbre, mais ce qui nous a été présenté il y a quelques mois par le mouvement écologique du Richelieu, la politique de l'arbre, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce document-là qui peuvent nous servir. C'est que j'aimerais ça qu'on prenne le temps de se pencher là-dessus. Puis, il y a plusieurs éléments là-dedans qu'on peut déjà appliquer. Ça fait que ça serait un bon point de départ, je pense. Puis un dernier point, en ce qui a trait aux boisés, des colibris, fortiers, oui, on a discuté, encore une fois, l'automne dernier, de possibilités d'agrandir ou d'augmenter la superficie de la zone de conservation dans ce secteur-là. Mais on est resté, je pense, sur notre appétit. On n'a pas pris de décision. J'aimerais encore une fois, qu'on prenne le temps, qu'on revienne là-dessus. Je sais que plusieurs membres du Conseil sont favorables à l'idée. On en était rendu à l'étape où c'était une analyse avantage-coût, en fait, les coûts qui étaient associés à ça. Mais j'aimerais qu'on Il semble qu'on a délaissé, ou en fait, peut-être pas délaissé, mais il me semble qu'on n'a pas discuté depuis un bon bout de temps. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus, puis qu'on prenne une décision, parce que je sens qu'il y a une volonté de protéger ou d'agrandir le secteur de la superficie de la zone de conservation dans ce secteur-là. Mais je pense qu'on devrait statuer sur cette conservation-là. Alors, j'aimerais ça qu'on prenne le taureau par les cornes, comme on dit, puis qu'on prenne une décision au lieu de laisser aller les choses dans l'incertitude. Jusqu'à présent, je suis très satisfait parce que c'est protégé, mais j'aimerais avoir une plus grande garantie. Alors, c'est tout ce que j'ai, monsieur.